Congratulations on your film again. Alors, Shane, ma première question va être pour vous. C'est votre premier film de long métrage après trois courts métrages. Comment s'est passée la transition du court au long? Shane, this is your first feature film after three shorts. How did you transition from the short medium to the long one? Very slowly. It took a long time to get a feature film made. But Seb and I made a short film together, like I said at the beginning, and I was a little bit frustrated living in LA with the process there and trying to get something started, so I wanted to do something different with this project. So before I sent it to my agents or anybody else, I sent it to Seb and begged him to do it, and thankfully he said yes. And so after we did one short together, we transitioned together into this. En fait, ça a pris longtemps, un petit peu trop longtemps. C'était tellement long, en fait, que c'était frustrant, nous dit le réalisateur, parce que quand on est à Los Angeles, certaines personnes peuvent penser que c'est facile et rapide de faire le film, pas du tout. Et au contraire, c'est même peut-être plus compliqué qu'ailleurs. Et comme il avait eu une expérience formidable avec sa production française sur les courts-métrages précédents, eh bien, il a tout simplement décidé de travailler à nouveau avec eux. Et c'est ça qui a été le vrai moteur, le vrai point de départ du film que vous venez de voir à l'instant. Alors le casting est impressionnant, surtout pour un premier film. On y retrouve des têtes bien connues, Steve Zahn, Dylan Baker ou John Magaro, qui était d'ailleurs présent dans un autre film un petit peu plus tôt cette semaine. Comment est-ce que vous avez choisi vos comédiens, tout simplement? For a first feature, your casting is impressive. Steve Zahn, Dylan Baker, and John Magaro, who is also, he plays in another film which is in competition here in Deauville. Maybe you can talk to us about how did you gather such impressive casting? We just got really lucky. I, from my first meeting with Seb and the other producers, I told them that, I didn't mention these names specifically, but I said this is the kind of cast that I would really like. I don't want to, there's a temptation in Hollywood to try to chase after people who make it easy to finance the film, but who aren't right for the parts. And I said, this film really lives and dies on the tone, and I need people who can, I need great character actors who can balance that comedy and drama. And thankfully they were supportive, and it was a bit of a long process, but we got really lucky with the cast that we ended up with. You were. En fait, Shane nous dit qu'il pense qu'il a vraiment été chanceux, qu'il a eu beaucoup de chance avec ce casting, et qu'en fait, dès le départ, dès les premières réunions avec les financiers, avec vous, c'est vrai qu'il avait une idée déjà, il a dit, mais c'était vraiment dans le cours de la discussion, il a dit c'est le genre de film, c'est le genre d'ambiance dans lequel on verrait bien Steve Zahn, Dylan Baker, des comédiens comme ça qui venaient, et en fait il a eu vraiment beaucoup de chance, parce qu'il y a une tendance qui a lieu aux États-Unis et sans doute ailleurs, de se dire qu'on va choisir des comédiens pour jouer tel ou tel rôle qui vont aider au financement du film. C'est pas cette direction qu'il a pris, c'était vraiment des comédiens qui, selon lui, étaient les mieux placés pour trouver cet équilibre qu'il a réussi à atteindre avec le film, cet équilibre constant sur le fil entre la comédie et le drame. Et c'était vraiment les personnages qu'il avait en tête, tous ces comédiens, c'était des comédiens auxquels il pensait. Et donc, alors bien sûr, le casting s'est pas fait en un claquement de doigts, ça a pris du temps, c'était un peu long, mais il a réussi à avoir des comédiens qui ont, encore une fois, les meilleurs comédiens pour interpréter ces personnages-là, et en tout cas de cette façon-là. Alors, s'il fallait vraiment faire tenir chaque film dans une case, comment est-ce que vous définiriez la Roy vous-même? Est-ce que c'est un thriller? Est-ce que c'est une comédie? If you really had to try to fit each movie in a specific case, how would you describe Le Roy? Is it a comedy? Is it a thriller? What is it? I don't know. It kind of weaves in and out of genres. I don't know. I think the comedy is very important, but to me, the comedy only works in this type of movie. It's something that we discussed with the actors ahead of time, how we would play it, whether they would lean into the comedy or played a little more straight, and we all agreed that the comedy only works if you play it really honestly and sincerely. So it's certainly a comedy, but I think the comedy only works, and the comedy that I like best works when it's just played very straight, very sincerely. So
you know, I think it is a comedy, but only because it's all those other things as well. On a eu aussi, quand le film a eu sa première mondiale aux États-Unis, on a eu quelques critiques du film, et parmi les critiques, il parlait d'un néo-western, qui est un terme que je savais même pas que ça existait comme genre, et je trouve que ça peut fonctionner pas mal de le mettre dans la catégorie néo-western, et dark comedy néo-western. Mais je trouve aussi. En fait, le réalisateur nous dit, il faut que j'arrête de dire en fait. Le réalisateur nous explique que son film, quelque part, c'est difficile justement de le faire entrer dans une case, parce qu'il passe constamment d'un genre à l'autre, quasiment entre une scène et la suivante. Ben, on est dans une comédie, puis tout à coup, au détour d'une phrase, hop, on est dans un drame dur, sanglant, puis hop, finalement, on rigole. Et ça passe comme ça de l'un à l'autre, de manière assez naturelle, assez organique. Et c'est quelque chose auquel il a réfléchi de départ. Il a beaucoup discuté avec les comédiens, justement, pour arriver à trouver cet équilibre précaire, finalement. Et c'est ce qu'il nous dit. Dans ce genre de film, quand il y a des petits éléments de comédie, il y a beaucoup de tension, ça, voilà, on peut relâcher un peu la tension, ce qui est pas mal pour le rythme, mais ça ne marche que si c'est fait avec sincérité. Il faut vraiment que ce soit le plus naturel possible. And Sebastian, the producer, also adds the fact that some time ago there was the film premiere, the American premiere in the US, and there was lots of critics, and he has been reading some critics that were saying that actually the film is, it was described as being a neo-Western. And actually the term is quite well, to be honest, he didn't even know that existed before, but a new kind of Western, neo-Western, is a quite good description of what the movie is. Et maintenant, j'ai une autre question. Alors, j'imagine que le temps, vous était compté pendant le tournage. Le tournage, je crois, était assez rapide. Et vous n'avez pas fait beaucoup de répétitions avec les comédiens. I imagine that time was of the essence during the shoot, which I believe was quite fast and rapid. You didn't do many rehearsals with comedians, have you? No, we didn't have a lot of time. John, Steve and I had one afternoon together before the shoot. That's just as much as we had time for. I met with the actors just on Zoom ahead of time. We chatted a little bit, but we didn't have much time rehearsal at all, which was another reason why it was so important to get the right cast, because they had to really just dive right into it. Non, effectivement, ils n'ont pas eu beaucoup de temps. John et Steve se sont rencontrés quelques fois, mais il n'y a vraiment pas eu beaucoup de temps du tout pour les répétitions. Et le réalisateur Shane nous dit que c'est précisément pour cette raison, principalement finalement, que c'était vraiment important d'avoir le casting le plus juste possible, c'est-à-dire d'avoir les meilleurs comédiens possibles qui comprennent en une fraction de seconde quel est le personnage qu'ils doivent interpréter, parce que ça leur permet de plonger directement dans leur personnage et dans leur interprétation. Alors bien sûr, ils se sont vus quand même, ils ont répété, discuté sur Zoom, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas trop le choix, je crois. Est-ce que c'était pendant le Covid? Was it during Covid, talking about the film, preparing? Yeah, we had all the regulations in place. Yeah, I guess. Et donc c'était évidemment à cause des règles qui ont été établies pendant le Covid, tout s'est fait à distance. Et donc, quand ils sont arrivés, ils n'avaient pas beaucoup de temps, mais ils ont utilisé le temps qu'ils avaient à bon escient. Votre film ressemble un peu au bébé qu'aurait pu avoir Aki Kaurismäki et les frères Cohen, ou au moins un des deux. Quelles ont été vos influences? Quelles ont été vos sources d'inspiration? Your film looks like the baby that Aki Kaurismäki and the Coen brothers could have had together, or at least one of the Coen brothers. Maybe you can talk to us about your influences. Yeah, the Coens are certainly one influence, as I think is pretty obvious. In particular, I really love their first film, Blood Simple. It's just like a fantastic first film because of how much it accomplishes with just a few characters, a few locations. I really tried for that simplicity with this, but failed. I had way too many locations, too many cast, too much driving and everything. But so I love their work, in particular that film. I also am a really big fan of old pulp detective novels from like Dashiell Hammett, Raymond Chandler, Mickey Spillane. So there's a lot of that in there as well. Alors les frères Cohen, évidemment, c'est une influence
Il a eu une vraie influence, et aussi particulièrement le premier film des frères Coen, Blood Simple, qui est un film qui accomplit tellement de choses avec finalement très peu de personnages, très peu d'endroits, de tournage. Et il nous dit, j'ai moi-même essayé, hein, et puis j'ai pas réussi. Finalement, c'est la raison pour laquelle dans ce film-là, il y a beaucoup d'endroits différents, beaucoup de lieux différents que l'on voit dans le film. Mais il s'est également inspiré des romans de détectives des années 40-50, les romans de Dashiell Hammett, les romans de Spillane. C'est également quelque chose qui l'a beaucoup inspiré. Est-ce que vous pouvez également nous parler un petit peu du financement du film? Encore une fois, c'est un premier film, et on sait tous qu'un premier film, que ce soit ici ou là-bas ou ailleurs, c'est jamais quelque chose d'évident. Donc peut-être, et puis tout simplement le fait que vous êtes français, comment est-ce que ça s'est passé? Maybe you can talk to us about the way you financed the film. It's a first film. We all know that producing a first film is never something easy. So, and furthermore, you're French, so maybe you can talk to us about that. Donc, c'est un budget de 2 millions de dollars qui, pour les États-Unis, déjà pour la France c'est pas beaucoup, mais pour les États-Unis c'est vraiment très peu. En fait, il y a très peu de films qui se font dans ce type de budget là, parce que c'est soit à moins d'un million, soit tout de suite on monte au-dessus de 5-6. Moins d'un million, on évite tout ce qui est unions, c'est-à-dire syndicats, et qui après nous impose d'avoir des salaires qui sont beaucoup plus élevés. Donc on était un petit peu dans un entre-deux compliqué. Et en termes de financement, en France, on peut avoir aucun financement. Même en Europe, aucun financement, parce que Shane, étant américain et le scénariste du film, on n'avait pas le barème de points nécessaire pour avoir des financements en Europe. Du coup, on s'est tourné essentiellement vers de l'argent privé. Donc on a levé de l'argent en Europe, aux États-Unis, beaucoup. On a fait des préventes. On a prévendu en Grèce, au Middle East, aux États-Unis, au Canada, pas la France. La France, il n'y a pas de distributeurs qui nous ont suivis à cette étape-là. Et on a trouvé une coproductrice en Autriche, qui s'appelle la société Lily Films, qui est ici, qui a participé aussi financièrement. Et on a eu, puisqu'on a tourné au Nouveau-Mexique, on a eu le crédit d'impôt du Mexique, qui est à peu près 25% des dépenses qu'on y fait. Donc voilà, c'est un mix entre argent privé essentiellement, prévente à l'international et crédit d'impôt. Yes, so actually the film cost $2 million, and of course when we say $2 million, it sounds like a lot, but actually for a film, even in France, it's actually not that much, and in the US, it's actually very few. But it is very few, but not few enough, because that's what Sebastian just said. You know, a film usually in the US is either less than $1 million or more than six. $2 million is, you know, kind of awkward as a situation, because when you make a film for less than $1 million, you don't have to follow the rules and regulations of the unions, but the salaries are higher. I mean, it's really complicated. So it was right in the middle. And when we talk about financing, you know, in Europe, for example, it was impossible to find financing because the film was, like, in a way, too American. So it was impossible. So actually, it was private finances that could give money in Europe. In the US, there was a lot of pre-sales of the film. It was sold in Greece, in the Middle East, in the US, in Canada, not in France, though, but they had also co-producers in Austria, who is right there, by the way, and also a tax credit from Mexico. So it was quite complicated, but at the end of the day, they could gather $2 million to make the film that you see right now. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Donc je vous le rappelle, s'il y en a une, j'espère qu'il y en a au moins une, monsieur ici, avec le polo bleu. Bonjour et bravo pour ce film. On a rarement vu ici la salle réagir autant à un film. Il y a un personnage dont vous n'avez pas parlé, c'est la musique, qui est extrêmement présente et signifiante, hein, qui habite ce film. Et puisque vous nous avez dit que les compositeurs étaient dans la salle, ça serait intéressant de savoir comment vous avez travaillé sur ce sujet. So the question, first of all, congratulations. This gentleman says it's not very often here that we see the audience react that much to a film, to a screening. So congratulations. And there is one main character that we didn't really talk about. It's the music. And we should talk about it, especially since the composers are right there, sitting in this very theater. So maybe you can talk to us about that. So they're here, so maybe they can stand up. So Rim Lorenz. Of course. Delphine Manosonal et Clément Pfeiffer. C'est rare de voir trois compositeurs qui travaillent ensemble, mais chacun a apporté
passer la parole. S'il y a un micro, peut-être, si vous voulez dire quelques mots. Mais ils peuvent venir nous rejoindre sur scène. Si vous voulez, venez, venez, venez avec nous. Ou même venir sur scène. Voilà. Les compositeurs, les trois compositeurs, vous pouvez venir. Et les trois sont français. I'll say just as they're coming up, you know, just like finding the cast that can walk this very thin line between comedy and drama, and it's very difficult because if you stay, you know, a little bit too far into the comedy, then it becomes very silly, and if you go a little bit too into the dramatic, then it's heavy and the comedy's lost. So finding this cast was incredibly important. And you know, navigating that line is something that, for me, is the big challenge that we had to talk about and work on every day. And it's the same with the music, you know, because it's there, it's supporting us, it's doing that same thing. It's performance in the film. So finding these great composers who could give these performances, like Steve and John, was extremely important. You know, because it's another lead performance in the film, and so. I was very, very lucky to find these guys through Seb. They did a terrific job. Oui, le réalisateur nous dit effectivement que, encore une fois, on parlait tout à l'heure de l'importance du casting, de l'importance de trouver les bons comédiens pour, encore une fois, naviguer sur cette ligne qui sépare la comédie du drame, tout le temps un peu comme ça, dans un équilibre précaire, parce qu'il nous dit, si jamais le film, à un moment donné, part un petit peu trop dans la direction de la comédie, ben, ça devient un petit peu idiot, un petit peu bébête, mais en même temps, si jamais tout à coup, il vire un petit peu trop vers le drame, eh bien, ça devient trop lourd et on perd de vue, finalement, l'aspect un petit peu plus léger que les petites touche de comédie apporte au film ici et là, et donc voilà, il fallait naviguer sur cette ligne, c'était pas évident, et le rôle des comédiens c'était encore une fois de s'assurer qu'on reste toujours sur cette direction. Et il nous dit finalement avec la musique c'est la même chose, ça n'est pas facile de trouver un équilibre, cette musique qui parfois ajoute des petites touches comme ça où on peut respirer, tout à coup la tension se relâche, mais en même temps quand il y a des moments de vraie tension, des moments très durs, et bien la musique est là également pour souligner, pour ajouter de l'attention à l'attention. Alors est-ce que les musiciens peuvent nous dire également quelques mots sur leur travail? Ben oui, bonjour à tous. Ben donc on a travaillé tous les trois sur la composition de la musique originale, c'était vraiment très agréable à faire. Et oui, comme Shane le disait, on a essayé d'amener de temps à autre de la profondeur, de l'humour, de la détresse, un côté anxieux, et puis à des moments des côtés plus légers. Donc on a essayé de donner plusieurs aspects à cette musique pour accompagner au mieux l'intrigue, les personnages, pas tout dévoiler avec la musique, mais garder de l'attention. Voilà, on a cousu sur mesure, enfin on a essayé du moins de coudre sur mesure cette musique pour le film. Alors par ailleurs, c'est assez étonnant parce que quand on regarde le film, quand on écoute le film, on est vraiment plongé dans l'ambiance du Texas, l'ambiance des cow-boys, etc. Et la musique paraît tellement vernaculaire, locale. Quand on apprend que ce sont des compositeurs français qui l'ont fait, c'est incroyable. Comment est-ce que vous avez travaillé? Alors au départ, on est un duo. Et avec... Oui, excusez-moi. Clément et moi, on est un duo, et Delphine, donc du coup on habite dans le sud de la France, et Delphine sur Paris, et on a travaillé souvent à distance, hein, c'est ça. Et juste pour revenir sur la musique, Shane a voulu, surtout nous a demandé, vous pouvez le voir dans le film, de faire plutôt un contre-pied. Au départ, on pourrait penser que c'est un film comique, je pense que la musique a aussi beaucoup apporté au fait que le film se pose dans quelque chose d'assez dramatique à travers la musique. Voilà. Oui, en fait, la musique donne le sentiment des personnages plus que des scènes. Elle est plus basée sur ce que ressentent les personnages. Et c'est ce que Shane nous a demandé. Et c'est vrai qu'au début, on était un peu entre deux eaux, on ne savait plus... il fallait qu'on renforce le côté comique. Il y a eu des moments où un peu on ne savait plus trop. Et en fait, il fallait vraiment rentrer dans ce que pensent les personnages. Et c'est pour ça que la musique est des fois plus dark, on va dire.
Actually, Delphine says that the three of them worked together, and it was very interesting for three composers to work together to try to find something that is just as Shane was saying himself a few minutes ago, always in the right and in the middle between, you know, something deep but humorous, but also give some anxiety to some sequence, but at the same time light. It was very, very tricky, and she said that making the music for that film was sometimes, it was almost like making a made-to-measure jacket or clothes on, right on the body of someone. It was really made to measure on each scene, for each scene of the film. And then Rim said that actually Clément and him are a duo. They work in the south of France, while Delphine is actually working in Paris. So they were working together, but with a distance that was probably quite interesting during the making of the film. And the thing is, sometimes they were feeling almost kind of lost because they tried to add a little to the comedy, but they realized it was not working so well. So actually what they did is focusing with the music, underlying what the characters are thinking. It was underlying the feelings and the thoughts of the characters, and that's quite interesting. Clément also said that. So yes, focusing on what's happening in the head of the characters. Y a-t-il une autre question dans la salle? Auquel cas, il faudra lever la main, car la salle est grande, je ne vois pas tout le monde. Paul Rose, milieu salle, lunettes. Bonjour, merci pour ce beau film que j'ai vraiment apprécié, j'ai trouvé ça vraiment super. Et d'ailleurs, en fait, c'est pour revenir un peu sur peut-être des références ou en tout cas des influences, de toute façon, toutes les influences se mélangent. Tout à l'heure, on a parlé des frères Cohen, effectivement. Moi, il y a un cinéaste auquel j'ai pensé presque dès le début du film, ou avec cette embrouille avec le tueur, c'est Red Rock West de John Dale. John Dale a fait des films qui ressemblent beaucoup aux films que vous avez faits, donc ce mélange un peu de suspense et d'angoisse, et en même temps cet humour comme ça qui nous prend un peu des fois de façon surprenante et à froid, où on réussit à nous faire rire avec des choses horribles finalement. Donc en fait ma question c'était juste savoir si le réalisateur Shane connaît le cinéma de John Dale et a été un peu influencé ou pas du tout. Voilà, merci. So thank you for the film. The question goes to you, Shane. We talked shortly about references and influences that you may have, consciously or unconsciously, for the film. We talked about Coen Brothers, of course, but the German says also he thought a lot about Red Rock West. And he would like to know if the work of the director of John from Red Rock West, where there is a lot of suspense, but also a lot of humor, actually cold humor, where he makes the audience laugh with horrible things, was it also something that you had in mind? Maybe you can just talk to us about the other influences you may have. Yeah, I know the film, but it's not something that I consciously thought of when I was making it, but it's a great reference. I'm sure there's many influences that I am not even aware of. Another big influence for me was the films, but also the Irish plays of Martin McDonagh. I really love his work, especially in his plays. There's a story, but at the center of the play, there's always two characters that have a central argument. And I kind of stole that a little bit from him because I really like it and find it interesting. And so with Ray and Skip, you know, they've got the story and the adventures that they go on, but they have this central argument over the course of the film, which will they or won't they be friends? And so I think I stole that from Martin McDonagh a little bit, and that's, you know, I think the heart of the film. You know, there's a director named Jeremy Saulnier who did a really terrific film called Blue Ruin, which is another low budget, really fantastically economical thriller with a little bit of comedy in it. There's also an English writer named P.G. Wodehouse, who writes very farcical, over-the-top comedy, and I think with the money appearing and disappearing, that's a bit something that you might find in one of his novels. So I think he was a big influence as well. Oui, le réalisateur nous dit qu'en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'influence. Et pas, par exemple, le film dont vous parlez, Red Rock West, c'est effectivement, ça peut être aussi une influence, c'est sans doute une influence, mais, nous dit-il, ce n'était pas une influence
consciente. En tout cas, il n'en a pas eu conscience au moment où il a fait le film, mais vous n'êtes pas le premier à l'évoquer. Et effectivement, il s'est rendu compte que peut-être ce film qu'il a vu auparavant, eh bien peut-être que d'une manière ou d'une autre, il a fait son chemin vers le film que vous venez de voir. Il y a beaucoup d'influences. Finalement, tout ce qu'on fait, c'est le résultat de toutes nos influences. Mais il nous parle aussi, par exemple, du travail de Martin McDonagh, notamment ses films, mais également ses pièces irlandaises. Et puis le fait, par exemple, qu'il a repris un thème qu'on retrouve dans ses pièces, c'est le thème du conflit qui est au cœur de la relation entre deux personnages. Deux personnages qui sont ensemble, qui sont en train de devenir amis, mais il y a un conflit moral qui les sépare un peu et qui sert également de moteur à tout ce qui se passe au sein du film. Et là, notamment dans celui-là, c'est les personnages de Ray et de Skip qui sont ensemble, mais qui tout à coup se demandent alors, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on est en train de devenir amis ou pas, qu'est-ce qu'on fait avec l'argent, est-ce qu'on le rend, est-ce qu'on le donne. Voilà, ça aussi, ça participe à la dramatisation de la narration du film. Il pense également à une autre référence qu'il peut avoir, Jérémy Saunier, avec son film Blue Ruin, qui a été Blue Ruin, by the way, was presented right there, qui a été présenté ici à Deauville il y a quelques années déjà, et qui raconte une histoire également de quelqu'un qui est un magnifique loser avec sa voiture déglinguée. Bref, beaucoup, beaucoup de références, beaucoup d'influences qui ont nourri le scénario et nourri le film. Et oh, que vois-je, cette conversation est terminée. This conversation is now over. Thank you.